Nouvelle met à monter, nouvelle met à aller, ou pas capable de parler de Maduro, ou pas capable de parler de situation Venezuela. Et bien après le président Chilien, M. Gabriel Boric, te fait intervention contre le régime Maduro, que le défait qu'on ne l'y pas supporté. Et bien tout de suite, le gouvernement vénézuélien, M. Maduro, te prend décision pour te couper tout vol commercial qui gagne entre Venezuela avec Chili. Et il dit, bon, on qui le, il a retourné avec vol commercial. Bon. Ça va trop déranger Chili, ça va pas trop déranger rien. Mais c'est pour nous montrer au niveau Venezuela lui-même, les rivières là. Maduro son équipe a impressionné même monde, quel que soit monde, on parle de lui, il dit que okay, c'est fini. Si m'dé une relation avec vous, si m'dé qu'on a la caillou, on va pas manger encore. Si m'dé qu'on a la caillou, on va pas besoin qu'on ait. Venezuela pas besoin qu'on ait. Gens la vivent, gens pas vivre. Maduro pas dans. Quel que soit monde qui parle de lui, quel que soit monde qui parle en faveur, soit avec ou avec le souba avec c'est qu'on compte lui et même couper relation là vous après le couper relation diplomatique à Chili et bien après intervention et Gabriel Boric fait là monsieur Maduro à tout gouvernement là il a annoncé que il a coupé tout vol commercial qui était gagné entre Venezuela avec Chili. Ça veut dire avion pas qu'à sortir Chili du tout pour aller Venezuela parce que t'es gain et vol diplomatique t'es qu'à fait les couper relation diplomatique là avec et avec Chili. Et bien, quand il y a un vol commercial, et bien, quand il y a un coupé vol commercial, malgré ce n'est pas de bagaille qui était jamais fait trop bagaille, vrai, mais c'est toujours un vol commercial. Et bien, il était dit ça qu'on y a pas un vol commercial encore entre Chili et Venezuela. En tout cas, dis-moi ce que vous pensez dans les commentaires. Dis-moi si nous n'avons pas besoin d'un président comme ça en Haïti. Et bon, malgré que quelque part la femme pas d'accord, mais ça y est, franchement, sincèrement, d'accord avec vous parce que Maduro montre son grand amour. Il n'est pas impressionnant, une pièce vagabond, quel que soit soit dit délire. Il n'y a pas besoin qu'on ait si ça qui arrive. Les conséquences, les mêmes, les montres, les grands mondes, les grands mondes, la Kali. Ou pas pour venir faire bouche dans la cause de la Kali. Eh bien, n'importe qui qui parle de la cause de Maduro, la femme, soit le retirer l'ambassade de la Kali, soit le couper les relations diplomatiques ou avoir, soit toute relation de la Kali, la couper au grain par grain. En quelque part, nous avons une version comme ça en Haïti. De côté que Haïtien qui a grand monde tête li. Mais pour le président, l'autre vision tout. Et pas seulement diplomatie, et pas seulement couper relation, et pas seulement 10 dates, mais son président qui t'a pour gagner maille, qui pour combattre bandit, qui pour créer des emplois, mon des bagages qui sont difficiles, parce que nous sommes un pays qui est extrêmement pauvre. Si on dit le, on dit la nouvelle, il dérange nous. Mais Haïti est un pays qui est extrêmement pauvre là, dans le moment là, dans la région, pour m'a dit, c'est, oui, dans la région, je vais répéter, c'est Haïti qui est pauvre, dans la région. C'est pas dans le monde là, non? Dans la région côté nous y est. Caraïbes, Amérique latine, Amérique du Sud, Amérique du Nord. Nous comprenons? So, pour moi, c'est Haïti qui est pauvre. C'est Haïti qui a plus mal vivre dans la région, ça a vivre là. Dans l'Amérique là, en soi, avec Caraïbes. En tout cas, et Venezuela, pendant dans ce même, quel que soit le nègre, pense que le monde est sur lui, et bien, l'avez-vous en l'air, frappe à terre pour lui à terre. Dis-moi ce qui passé, est-ce que nous avons mérité au président comme ça? Et dis-moi ce qui passé tout. Est-ce qu'on pense que nous avons bien géré Venezuela? Est-ce qu'on pense que nous avons bien géré les politiciens qui ont fait des montées des sons sous d'eau? En tout cas, je ne bon, pas dire le bon, même c'est politique qui a fait, mais seul ça me connaît. Monde ça, et pas longtemps à bon coco zik pété. Pas longtemps à bon zinc pété dans le monde. En tout cas, dis-moi ce qui passé dans les commentaires, je vous dis à l'autre vidéo.